donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je veux vous faire depuis un moment. C'est une vidéo sur la box Click & Fit. Donc aujourd'hui on va pas du tout parler beauté mais mode. La box Click & Fit, je l'ai découvert il y a de ça à peu près 6 mois sur la chaîne En Mode Gonzesse. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur leur chaîne, ces deux filles sont adorables et j'adore leurs vidéos. J'ai tout de suite adoré le principe de Click & Fit et du coup je me suis dit comme j'avais un petit peu de temps aujourd'hui, c'était l'occasion de partager ça avec vous. Donc en fait la box Click & Fit vous permet de recevoir régulièrement chez vous, c'est vous qui choisissez la fréquence, une sélection de vêtements qui va être spécialement faite pour vous par un styliste. Donc vous allez remplir soigneusement votre profil, vous allez indiquer dans une sélection de looks ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ça va permettre de cerner un petit peu vos goûts. Vous pouvez remplir votre Pinterest par exemple, ce qui fait que le styliste peut aller un peu fouiner dans votre Pinterest pour voir quelles sont les choses qui vous inspirent, les choses qui vous plaisent. Vous allez bien évidemment mettre votre taille, votre morphologie un petit peu. Vous allez indiquer si vous souhaitez plutôt des vêtements de tous les jours faciles à porter ou si vous souhaitez des tenues pour des occasions spéciales, par exemple pour le travail ou pour aller à un mariage ou une tenue de soirée, etc. Vous allez également indiquer quel type de budget vous souhaitez mettre par pièce, c'est-à-dire par exemple pour un jean, quel budget vous souhaitez mettre, moins de 50€, entre 50 et 100, au-delà de 100, etc. Vous allez faire ça par exemple pour les t-shirts, les jupes, les robes, les manteaux, les accessoires. Et grâce à toutes ces indications, les stylistes de chez Click & Fit vont pouvoir à chaque fois vous faire une sélection personnalisée. Et donc vous recevez régulièrement chez vous un gros carton rempli de vêtements gratuitement. C'est-à-dire que vous ne payez absolument pas le service Click & Fit. Vous recevez la box, vous essayez les vêtements, si quelque chose vous plaît, vous pouvez le garder, si quelque chose ne vous plaît pas, vous pouvez le renvoyer. Donc si vous gardez des vêtements, vous allez tout simplement vous connecter sur Click & Fit, indiquer ce que vous gardez, ce que vous ne gardez pas, pour quelles raisons vous ne gardez pas, ça permet mois après mois au styliste d'affiner la sélection, de mieux cerner vos goûts, de mieux cerner votre taille, et donc vous ne gardez que les pièces qui vous plaisent, et vous payez seulement les pièces qui vous plaisent, et vous avez fourni dans votre colis une grande enveloppe comme ceci, prépayée, donc vous avez juste à mettre les vêtements qui ne vous plaisaient pas dans l'enveloppe, et à déposer ça à la poste. Donc je trouve ça juste top comme concept, parce que vous ne payez rien, vous ne payez pas vos retours. Si rien ne vous plaît dans la sélection, vous pouvez tout renvoyer, rien ne vous sera facturé. Et par contre, si la sélection entière vous plaît, vous avez le droit à une réduction de 20% sur les 5 produits reçus, donc je trouve ça vraiment génial. Je trouve que c'est un concept qui est vraiment génial, déjà parce que vous sortez un peu de votre zone de confort, c'est-à-dire que la styliste va vous proposer des choses vers lesquelles vous ne seriez pas forcément tourné en magasin. Moi, il y a certaines pièces qu'on m'a envoyées que j'aurais même pas regardées en magasin et qui finalement m'ont plu. Je trouve ça top également pour toutes les nanas qui sont un peu phobiques du shopping, qui aiment pas faire les magasins, qui ont pas forcément le temps de passer leur vie sur Asos ou je ne sais quel e-shop, qui n'ont pas le temps ou pas le goût pour faire du shopping et qui malgré tout ont besoin de s'habiller. Je trouve que c'est un concept qui est génial puisque vous n'avez aucun effort à faire, même pas l'effort de choisir, ça vient à vous, ça vous plaît c'est tant mieux, ça vous plaît pas vous renvoyez, je trouve ça vraiment super. Donc moi comme je vous disais ça fait plusieurs mois que je suis abonnée et jusqu'à maintenant j'ai dû garder il me semble 2 ou 3 pièces. Il y a 2 mois où j'ai renvoyé intégralement la sélection, soit parce que le style ne me convenait pas, soit parce qu'il y avait des problèmes de taille, mais généralement il y a toujours une petite pièce qui me plaît et que je garde, donc je trouve ça plutôt cool. Donc je dirais qu'au niveau style, la styliste cerne plus ou moins bien mes goûts, c'est-à-dire que souvent elle me propose des choses qui sont un peu trop girly et qui correspondent pas tout à fait à mon style, mais je pense que c'est aussi le concept de la box que de chercher un petit peu à vous... pas de vous déstabiliser mais à vous sortir de votre zone de confort. Au niveau des tailles, la plupart du temps elles sont bien choisies, généralement on m'envoie du S et c'est ce qui me correspond. De temps en temps j'ai des hauts qui sont un peu trop grands ou des bas qui vont être un petit peu trop grands ou un petit peu trop petits, mais la plupart du temps les tailles sont plutôt bien choisies. Donc on vous envoie 5 pièces, généralement il y a 2 hauts, un petit haut et un pull, une jupe ou une robe, un pantalon et une autre pièce, ça peut être parfois un manteau ou voilà, ça dépend. Vous pouvez tout à fait demander à personnaliser votre sélection. Moi par exemple en ce moment j'essaie de renouveler mes pantalons puisque j'en ai beaucoup qui sont usés, donc j'ai demandé à recevoir plutôt 2 pantalons dont un de couleur parce que j'ai besoin de renouveler mes pantalons de couleur. Et donc ce mois-ci j'ai tout à fait reçu une sélection qui correspondait à ma demande, donc j'étais absolument ravie. Au niveau du budget, généralement il est bien respecté. Si vous avez demandé de recevoir une pièce entre 50 et 100€, ça sera tout à fait respecté. Et voilà, donc moi j'ai fait jolie découverte au cours des derniers mois et surtout c'est vraiment un moment super sympa, le moment où vous recevez votre box, vous déballez un peu, vous avez vraiment la surprise, qu'est-ce qu'on m'a concocté, vous essayez les pièces, vous faites votre petite sélection, vous renvoyez, c'est très simple et vraiment assez sympa. Donc par exemple le pull que je porte aujourd'hui sur moi, c'est un pull que j'ai reçu via Click & Fit qui m'a beaucoup plu. C'est un pull de la marque Marie Sixtine, c'est un pull un peu loose comme ça à rayures, donc moi j'adore les rayures, donc voilà c'est un peu ma passion. Les rayures c'est une espèce de bleu gris
gris, un peu de jean, et il y a un tout petit peu de paillettes dans les mailles, donc il est très sympa. Et au niveau du dos, vous voyez, il y a des petits boutons comme ça, donc ça fait un détail vraiment mignon. Et là, pour le coup, ça correspond pile poil à mon style, donc j'étais absolument ravie quand j'ai reçu ce pull. Les marques sur Click & Fit, moi, je reçois assez souvent les mêmes, mais je suppose que ça dépend du budget que vous indiquez, puisque ils doivent avoir des marques tout petit prix, des marques moyenne gamme et des marques haut de gamme. Donc comme je vous disais, dans le colis, vous recevez l'enveloppe prépayée pour faire votre retour, vous recevez la notice qui vous indique comment procéder. Vous avez toujours un petit mot personnalisé, et c'est un vrai mot personnalisé avec votre prénom, avec la raison pour laquelle elle vous a choisi ces pièces là, parce qu'elle a regardé sur votre Pinterest, etc. Donc je trouve ça plutôt agréable. Et ensuite vous avez des planches d'inspiration de look avec les pièces qui vous ont été envoyées, avec à chaque fois quelles associations vous pouvez créer, etc. Donc je trouve ça plutôt cool pour les nanas qui n'ont pas forcément l'imagination ou l'idée d'associer les pièces. Et bien là, on vous mâche un peu le travail et on vous indique un peu comment vous pouvez porter ces pièces là. Donc dans la sélection que j'ai reçue ce mois-ci, il y avait pour commencer ce joli chino vert d'eau. J'adore la couleur. Moi qui cherchais des couleurs un peu pastel pour le printemps, été et tout, là je suis ravie, ça tombe pile poil dans ce que je recherchais. Donc c'est un petit chino comme ça, vert d'eau. La marque, c'est Lab Deep. À l'arrière, vous avez des poches comme ceci, classique du chino. Il fait plutôt des jolies fesses. Il a une toile qui est extrêmement confortable, qui est très souple, un peu élastique. Donc clairement, vous avez l'impression d'être en pyjama quand vous portez ça. C'est une longueur 7/8, donc moi je l'ai retroussé pour découvrir un peu plus la cheville. Et donc j'ai reçu une taille S qui est parfaite pour moi. Et c'est un article qui vaut 75€. Et donc je l'ai gardé et je l'ai déjà porté hier, parce que j'ai tellement adoré la pièce que j'avais tout de suite envie de la porter. Ça sentait bon le printemps, même si le temps n'est pas vraiment au rendez-vous. La deuxième pièce que j'ai reçue et que j'ai également adoré, que j'ai gardé, il s'agit de ce petit pull qui est également très printanier. C'est un espèce de... c'est une espèce de maille tressée avec du blanc, du bleu clair et du bleu un petit peu plus foncé. C'est très frais, c'est hyper agréable à porter. J'aime bien la coupe qui est légèrement loose et pas trop longue, qui est assez sympa, ça change un petit peu. J'avais pas du tout de pull qui ressemblait à ça dans mon armoire. Et du coup, ça s'harmonise super bien avec le petit chino aqua. Donc c'est ce que j'ai porté hier. Et franchement, j'ai adoré cette tenue. Donc voilà, je l'ai gardé, j'en suis très contente. Le pull, il s'agit d'un pull de la marque Nymph, je ne sais pas trop. Et donc j'ai reçu une taille S qui est parfaite et il vaut donc 59,95€. Le produit suivant, c'est un produit de la marque Grace & Mila. C'est une marque qu'on reçoit assez souvent dans la box, qui est une marque qui est très mignonne, très girly, parfois un peu trop girly pour moi, c'est-à-dire qu'il y a toujours un peu trop de nœuds ou tout ça, mais bon, je trouve que c'est vraiment des jolies pièces. Il s'agit d'un petit t-shirt manche longue comme ça. Je pense que la matière, c'est un peu effet lin, je sais pas si c'est du lin. Et donc vous avez une ouverture comme ça au dos avec un petit ruban, un décolleté en V qui est plutôt mignon, et donc des détails un peu dorés, le liseré du col est doré et vous avez des petits flamants roses dorés dessus. Donc franchement, quand j'ai vu la pièce, j'étais plutôt emballée, mais c'est un article que je vais pas garder parce qu'une fois porté, j'ai pas vraiment le coup de cœur. Je le trouve peut-être un tout petit peu transparent et le tombé me convainc pas vraiment, et encore une fois, il y a ce détail du nœud derrière qui est un peu trop girly pour moi. Mais sinon, je trouve que c'est une pièce très sympa qui aurait tout à fait pu me plaire. Donc là, le haut Grace & Mila, je l'ai reçu en taille S, donc vous voyez, ça taille quand même un petit peu grand, et donc il coûte 39€. La pièce suivante, je l'ai pas tellement aimée, et pourtant quand je l'ai vue dans le carton, je me suis dit, ah chouette. Il s'agit d'une blouse façon jean clair, et moi j'aime bien les chemises en jean, donc je m'étais dit cool, en plus la couleur était sympa. En réalité, j'aime pas tellement la matière, je sais pas, ça me revient pas. Et donc c'est coupé comme ça, donc en fait il n'y a pas de col, c'est vraiment une blouse qui est assez décolletée d'ailleurs. Et en fait, je sais pas, j'aime pas du tout la matière et la coupe. Je trouve que les manches sont beaucoup trop larges. Je trouve que ça va pas, voilà. Et non, ça me revient pas, donc c'est un loupé dans la sélection pour moi. Donc cette chemise, c'est une chemise de la marque Villa. On m'a envoyé un S, je trouve ça trop grand encore une fois. Et donc elle vaut 49,99€ et je ne la garderai pas. Et donc le dernier article, c'est un jean, puisque j'avais demandé à recevoir deux pantalons. C'est un jean noir, ce que je cherche à racheter, donc ça tombait pile poil dans la sélection. C'est un jean noir, effet un peu délavé, un peu used, longueur 7/8 avec un zip en bas. Concrètement, c'est un produit que j'aurais pu garder. La coupe me plaît, la taille est bonne, bien qu'il soit peut-être un tout petit peu trop lâche au niveau de la taille. Mais par contre, je trouve que le délavage donne un effet comme s'il était déjà usé et pas dans le bon sens du terme. C'est comme si c'était déjà un vieux jean que j'avais déjà trop porté. Donc c'est vraiment la teinte et le délavage qui fait que je vais pas garder ce jean. Sinon, il est super confortable. Et je crois que c'est un jean de la marque Villa que j'avais gardé une fois comme ça et qui est super confortable. Franchement, vous avez l'impression d'être dans un pyjama là-dedans. Donc voilà, je le garde pas, mais j'aurais pu. Donc là, c'est un jean de la marque Villa en taille S qui vaut donc 44,95€.
Donc voilà la sélection de vêtements que j'ai reçu ce mois-ci. Franchement j'ai trouvé que c'était une sélection plutôt réussie, les tailles étaient plutôt pas mal. Et au niveau style, on était bien dans ce que j'avais demandé, donc je garde 2 pièces sur 5, je trouve que c'est déjà une bonne moyenne. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'avais vraiment envie de vous faire partager ce concept que je trouve génial. Je trouve que c'est vraiment super de recevoir une sélection de vêtements sans avoir rien à faire, de n'avoir rien à payer, et d'avoir comme ça ce petit plaisir de la découverte. Et voilà, moi de temps en temps, je garde une pièce, ça me fait plaisir, je renouvelle ma garde-robe sans avoir à faire d'efforts, même si très honnêtement... je peine pas vraiment à renouveler ma garde-robe. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez le concept, si ça vous plaît. Moi je l'ai fait découvrir à ma sœur et je crois qu'elle s'est abonnée parce qu'elle avait aussi envie voilà, de découvrir le truc. Si vous avez vous-même envie d'essayer, je vous mettrai en barre d'infos mon lien de parrainage. Et sur ce, je vous fais de gros gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!